Bonjour. Ok, allez, on va s'échauffer. On va prendre la position largeur des épaules. Donc l'ancrage est important, c'est-à-dire qu'il va falloir que les pieds soient vraiment bien à plat. Okay. Et pour savoir s'ils sont vraiment à plat, il faut aller vers l'avant, aller vers l'arrière, okay. Devant, derrière, et on balance comme ça, en avant et en arrière. Donc on voit que l'équilibre est instable, et donc on va chercher le centre, c'est-à-dire la voûte plantaire. On va se mettre au niveau de la voûte plantaire. Voilà. Ok, une fois qu'on est comme ça, on pèse sur les pieds pour sentir le sol. Alors qu'on soit dans un immeuble ou une maison ou à terre, c'est important qu'il y ait ce poids. Maintenant, si on a des chaussures, il faut essayer de... Comment dire ? Griffer le sol avec nos orteils. Alors, agripper le sol et relâcher. Agripper le sol, alors si on est dans le sable, c'est génial, dans l'eau c'est pareil, pieds nus, mais agripper, donc les orteils font ça et se relâchent, font ça et se relâchent, font ça et se relâchent. Ok ? Donc on va faire ça en avant, on relâche en arrière, on fait ça en avant, on relâche en arrière, on fait ça avec les orteils. Donc qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent qu'on agrippe le sol. Et là, on est sur le plan 3D, c'est-à-dire purement physique. Ok. Maintenant, les genoux, on les secoue pour relâcher... Pour relâcher la tension des jambes, ok, et on rebondit légèrement pour relâcher toute notre tension musculaire. Très bien. Petit rappel, il faut pas avoir les pieds écartés comme ça, il faut les avoir parallèles. Ok, le bassin, vas-y. Il faut bien le positionner de manière à l'aligner avec le sol et non pas être trop cambré ou être trop en avant ou trop penché en avant. Il faut être droit de la tête à l'entrejambe. Okay. Maintenant, il faut rentrer le nombril légèrement. Donc en rentrant le nombril, les épaules elles se ferment légèrement comme ça. Elles ne sont pas comme ça. Elle se ferme, on rentre et on n'est pas affaissé, on est juste droit. On relâche les épaules, les coudes ne sont pas fermés mais ouverts. On ouvre les coudes pour avoir de l'air. Et on étire la tête, pas en arrière ni trop en avant. On les tire de manière à ce que on pousse, comme si on avait un plafond. On pousse le plafond. Okay? Et on rentre le menton. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. On ouvre les épaules, très important. Et on est dans ce qu'on appelle la position du Wuji, la position des immortels. Okay? C'est une forme de méditation. Ok. Une fois qu'on est comme ça, on va faire les 3 A, on y va, on se branche sur la terre, on branche le soleil, on monte, on inspire, on imagine que de la lumière vient et on fait ah. Deuxième, le son ah. Troisième ah. Ok, on ressent ce qui se passe dans le corps avec la vibration du A.
et on commence à faire le 1 à 10. Donc on va se mettre en avant, les orteils grattent le sol, les doigts se mettent en position vers le sol, les index. Et on va imaginer un karcher qui va nous laver devant. Et comme chez Noroto ou bien dans les laveurs automatiques, les lavages automatiques, on va imaginer qu'il y a un liquide qui va dégouliner sur nous pour nous couvrir et nous protéger. Comme si on mettait de la cire, comme si on mettait une couche protectrice sur le corps. Et qui descend, qui descend, qui descend, qui descend jusqu'aux pieds. Là, une fois qu'on est en avant, on va se mettre sur les talons. On va monter légèrement le menton. Et on va mettre les deux doigts arrière. Et notre langue est à l'arrière du palais. Et la même chose, on imagine qu'il y a un karcher qui passe. Et il y a de la cire qui coule pour protéger tout notre dos, fessiers, jambes. Ensuite, on se redresse, on se met au milieu, on tend les majeurs, on met la langue au palais mou, au milieu. Et on imagine par le haut du crâne qu'on va laver tout le corps avec un karcher. On va remplir la tête par ce liquide, cette cire. On va remplir le cou, l'abdomen, toute la poitrine, tous les deux bras, le ventre, les jambes jusqu'aux pieds. Ok, deuxième position. On va fusionner les pieds dans le sol comme si c'était de la glace. On met les doigts en épée. On va creuser le sol profondément. Et on fait pousser des racines sous le sol. On absorbe, on commence à absorber en serrant l'anus l'énergie de la terre par l'arrière du corps. Le trajet c'est arrière, avant, jusqu'au dantien inférieur, jusqu'au ventre. Avec la langue toujours au palais. Remplit le bas-ventre. On remplit avec l'énergie de la terre qui est de couleur jaune et rouge. Là, on ferme l'anus. L'énergie étant ici, on la fait monter à la poitrine. On prépare les lao gong, on prépare les mains à ouvrir. On imagine qu'on est dans une pièce fermée. On met de la pression sur les lao gong et on éjecte par les bras l'énergie de la terre. On imagine que la pièce est remplie d'eau comme dans un aquarium et qu'on flotte à l'intérieur. On se remet en position de Wuji. Et vont expanser le corps à l'avant, comme si la pièce, on la remplissait de devant, on y va, on expanse à l'avant, on expanse à l'arrière, on expanse à droite, on expanse à gauche, on expanse par le haut. Maintenant, on va ouvrir la fontanelle et on va grandir le corps jusque dans l'espace, on y va. On grandit le corps, on sort de cette pièce, de cet endroit, un peu comme Google Maps. On va sortir, on va voir
le quartier, on va voir la ville, on voit le pays, on voit la surface de la Terre, on est dans l'espace, on passe les nuages de couleur bleu, blanc, et on se retrouve dans l'espace où tout est noir. À notre gauche, on imagine le soleil, à notre droite, on imagine la lune, et l'étoile polaire au-dessus de notre tête. On imagine maintenant ouvrir la fontanelle, et la fontanelle va créer en fait un siphon qui va aspirer toutes les étoiles, tous les astres, tout le cosmos à l'intérieur de notre corps, dans un vortex. Et pendant que ça se fait, hein, c'est comme un évier qui se vide, et ben on va imaginer, en actionnant les mains, qu'il y a deux cercles de lumière qui montent et qui descendent, haut et bas. De plus en plus vite, ce qui fait qu'on ne voit plus du tout autour de nous, c'est un cercle de lumière. On accumule l'énergie du cosmos dans le canal central, le Taiji, et on va éjecter tout ça à travers tout notre corps. Attention, on y va. C'est un nuage, un brouillard qui est autour de nous, qui s'estompe au fur et à mesure pour laisser émaner la lumière en nous. Nine is shine, ten begin. On commence les trois incantations, montée. On prend de la lumière, on protège l'espace, on la purifie, on la sacralise. On monte, on prend un rayon de lumière, on l'amène au dantian inférieur dans le ventre. On fait les doigts épais. On fait une bulle de protection autour de nous. On ferme. Et la dernière, on expanse les trois couches énergétiques, spirituelles, énergétiques et physiques, dans lesquelles on va travailler notre bulle. Parfait. Ok, Dao Yang, pratique, Qigong. Allez, on se met comme ça, on y va. Inspire. Jette. Toute l'énergie toxique, et un dernier 6, non, on va aller jusqu'à 9. Et 9. Ok, on lave le yin et le yang latéralement. On y va, on va faire 36 fois. On y va. Et 1. Souffle bien l'énergie négative par tes mains. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Respire. Toujours rester après un temps d'arrêt pour ressentir, absorber l'énergie qui est en nous. Parce que moi, ça va être chaud, et juste enlever ça. Ouverture du canal central. Okay. On prend de la lumière, on perce la fontanelle, on va dans le taiji, on ouvre chaque vertèbre et on guide l'énergie, la lumière au centre de la terre. On monte. Inspire, expire. Et 9. Uji, ressentir l'énergie qui circule dans le corps. On écarte un peu plus et on va faire le vieil homme qui cherche la lune dans la mer. Ok, avec le son chui, son des reins. Inspirez, on y va. La lune et on l'absorbe en faisant le son ra. Deuxième. Troisième. Deuxième série. Inspire. C'est vraiment le A. Hein. Ok. On a fait déjà deux séries, je crois. Oui. Troisième. On monte. Inspire. Tous les tissus. Ok, on ramène. Ok, on va imaginer que l'énergie du ventre, on la sort par les jambes. Et on va faire l'orbite microcosmique par l'arrière, macrocosmique, on va la monter, on va faire, ok, 36 fois, allez, on la sort, on inspire, on la monte, on serre l'anus au-dessus de la tête, on la redescend, respiration, le ventre se gonfle, le ventre se rentre, 1, on inspire, 2,
3, 4, 5, sortez le ventre, rentrez le ventre, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, on imagine de la lumière entre les mains, 8, 9, 30, 21, 2, 3, 4, 5 et 36. On rentre de nouveau l'énergie dans le ventre, on reste en Uji et on va passer donc au cheval qui est ni. Ok? Allez, on va secouer les mains, l'énergie des mains, les coudes, les épaules, les hanches. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. On continue encore les doigts, poignets, articulations. On inspire, on souffle. 3, 4, 5, 6, dernier, expire, 7, on ressent dans le corps ce que ça fait. Frisson, picotement, chaleur. Ok, martèlement. Je rappelle, on va taper sur les talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, ce sera les genoux qui vont appuyer sur les talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, ce sera les hanches qui vont appuyer sur les genoux, qui vont appuyer sur les talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, ça va être les épaules qui vont appuyer sur les hanches, les genoux et les chevilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va se mettre sur les orteils, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va tomber, et on va créer une onde de choc autour de nous. On y va, talons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, genoux, 2, 2, 3, 4, 5, 6, hanches, 3, 2, 3, 4, 5, 6, épaules, 4, 2, 3, 4, 5, 6, on monte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde de choc, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Hanche. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Épaule. 4, 2, 3, 4, 5, 6. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 2, 3, 4, 5, 6. Montez. 2, 3, 4, 5, tombe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 4, 5, 6, 4, 2, 3, 4, 5, 6, montez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 3, 4, 5, 6, montez, 2, 3, 4, 5, 6, tombez, un dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 4, 5, 6, 4, 2, 3, 4, 5, 6, montez, 2, 3, 4, 5, 6, Uji,
Regardez la légèreté que vous ressentez, l'amplitude au niveau énergétique, au niveau des sensations. Ok, respiration naturelle, le suricate, c'est-à-dire qu'on va rentrer le ventre et le sortir, rentrer le ventre et le sortir, rentrer le ventre. Donc ça fait comme une machine à laver, ça fait la boule, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Ok, et chaque fois que je fais ça, je rentre le ventre. Chaque fois que je lâche, le ventre sort. Ok, on y va? Rentre le ventre, lâchez le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va faire 50 fois. 13, 14, 16, 17, 18, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 48, 49, 50. Sans les mains, on inspire, on lâche. On inspire, c'est comme en danse orientale. On inspire le ventre, on relâche. On inspire, on relâche. On inspire, on relâche. On inspire, on relâche. 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, ça fait travailler vers le dos. 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 49 et 50. Relâchez et ressentez l'énergie dans tout le corps qui circule d'en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc si vous êtes fatigué, vous avez des problèmes, vertiges, c'est normal, vous asseyez. Si vous bâillez, c'est normal également. C'est la respiration qui fonctionne mieux, je dirais. Ok, les 8 mouvements de l'énergie. Okay. Avec intention et sans intention. On y va. J'ai l'intention de lever les bras. Inspire. Intention d'écarter les bras. Expire. Inspire. Expire, inspire, pousse, expire, inspire, expire. Sans attention, les bras se lèvent, les bras s'écartent, se rapprochent, se ramènent, rentrent, s'éloignent, descendent, se séparent. Encore, avec intention, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, on va faire encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2. Inspire, expire. Inspire,
Et souffle. 1, 2, 3, 4. Un dernier. J'inspire, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un petit salut pour terminer cette séquence. Il faut toujours qu'on ferme. Okay, on appelle ça en anglais pull down the heaven, PDH. Je prends le ciel, je ferme les trois couches. Un, deuxième couche. Deux, la couche énergétique. Troisième couche, la couche spirituelle. Trois. OK. Maintenant, on va faire Daoyin, les cinq organes. OK? On va commencer par le poumon. Inspire la lumière blanche. Souffle le son Ré. Ré. Inspire la lumière blanche dans les poumons. Expire la lumière noire, le son Ré. Expire dans les poumons. Expire. Et... Expire. Expire. Et... du rein. OK. Moi je fais sur la droite, toi tu fais sur ta droite à toi. Donc on est en opposé en miroir. Inspire. Va chercher l'eau sous les genoux. Expire. Dans les Mittasolas. Le son hein, dans ta tête et de manière vibrante. Inspire la lumière noire, bleue. Expire le la dans le rein droit. La. Expire la lumière bleue noire. Rein gauche, inspire de l'autre côté, sous les genoux. Le foie, le bois. Une main en haut, une main devant, la main droite devant. Trois inspirations, c'est un mouvement. Une inspiration, c'est trois mouvements.
On y va. J'inspire la couleur verte. 1, dans le foie. 2, 3. Et je sors le son de ré, mi, mi. 3 fois. Mi. Encore. Inspire la couleur verte par la main. Inspire. Dans le foie. Son mi. Mi. Encore. Inspire. Son mi. Et mi. Inspire. Mi. Encore, 1, 2, 3, 3, mi, 2, mi, 1, mi, un dernier, inspire, 1, 2, 3, mi, le cœur. On tient le cœur comme ça en parallèle et on va, toi tu vas aller sur ta gauche à toi, moi à ma gauche, donc on est en opposé. On prend le cœur et le son du cœur c'est le sol de ré mi fa sol. Inspire, sol. Changement de position de main. Sol, plus concentré au niveau du cœur. Sol. Rassemble tes mains au niveau du cœur plus. Ferme plus le. Sol. Inspire. Inspire, changement de main à chaque fois. Sol. Main au troisième œil, l'autre main à la poitrine. Encore. Sol. Inspire. Inspire. Sol. Inspire. Sol. Inspire. Position de la terre. Ok, on croit, on baisse le menton, on regarde dans le triangle. On inspire. Au-dessus de la tête, toi tu tournes sur ta gauche. Expire le son Do. Do. J'inspire. Je fais rentrer la couleur jaune dans la rate. Do. J'inspire. Son Do. Do. Inspire, Do. Inspire, Do. Inspire,
Inspire, relâche, souffle. Position de la tortue, on rassemble toute l'énergie qu'on a travaillée au niveau du 12 WC, vaisseau conception. Inspire tout ce qu'il y a devant, l'énergie de devant, les latéraux. Deuxième inspiration, troisième inspiration latérale, quatrième inspiration dans les diagonales arrière, cinquième par tout l'arrière, relâche, on va faire trois fois. Inspire de nouveau, devant, dans le dantien inférieur, dans le ventre, deuxième, les diagonales avant, troisième, les latéraux droite-gauche, quatrième, latéraux arrière, diagonale arrière, cinquième, lâche. Dernière fois, rassemble toute l'énergie dans le corps, amène-le dans le ventre, devant, dans le ventre. Diagonale avant, dans le ventre. Droite, gauche, dans le ventre. Diagonale arrière, dans le ventre. Derrière, dans le ventre. Relâche. Position Uji. Ressentir. Pull down the heaven. Inspire. Attire l'énergie des cieux une première fois. L'énergie des cieux une deuxième fois. L'énergie des cieux troisième fois. Wuji. Salut. Alors. C'est un exercice qu'on doit répéter systématiquement. Ça, tu l'as compris. Parce que ça ancre et parce que ça permet en fait d'expanser tout en étant ancré. Ensuite, ça nous permet de nous protéger par la création d'une bulle invisible. Cette bulle invisible, elle nous permet de travailler correctement sans interférence extérieure. D'habitude, ça se fait dans une pièce, ça ne se fait pas à l'extérieur comme ça, mais là on l'a fait parce qu'il faisait beau et puis voilà, pour l'entraînement. Ce mouvement est très important à la fin pour fermer les différents univers, la troisième dimension, la quatrième dimension, la cinquième dimension, okay, donc la dimension physique, énergétique et spirituelle. Et ça c'est le préalable à tout travail énergétique avant d'entamer un soin, avant de rentrer sur une passe publique, dans un cimetière, dans un hôpital, de rencontrer des gens toxiques, etc. Donc il y a ce travail qui est extrêmement important pour bâtir notre espace de sécurité, notre bulle de protection. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? C'est que plus on fait cet exercice, ces exercices, et plus nos cellules, en fait, elles vont s'expanser, c'est-à-dire qu'elles vont prendre de l'espace pour permettre à l'énergie, au chi, de passer. Donc ça veut dire que le sang circule mieux. Ça veut dire que le chi va circuler, l'énergie va circuler entre les cellules, va les oxygéner et l'échange au niveau cellulaire va être plus important. C'est pour ça qu'on bâille, c'est pour ça qu'on a des picotements, c'est pour ça qu'on a sommeil, c'est pour ça qu'on a tous ces symptômes. Donc l'inconfort, il est nécessaire quelque part. On sort de notre système. Les émotions également. On a travaillé le chi kong des émotions, ce qui veut dire que on peut se ressentir de la tristesse, envie de pleurer, envie de s'asseoir. De dormir, etc. Donc il y a ce qu'on appelle une décompensation physique, mais qui est nécessaire pour purifier le corps. Ça, c'est aussi extrêmement important à tenir compte. Okay? Cette purification, au bout de 3 mois, si on le fait une à deux fois par jour, ça, au moins une fois par jour, ça, il faut le faire. Ça n'a même pas duré 45 minutes, ce qu'on a fait. Donc, ça permet vraiment de purifier tout ce qu'il y a dans les tissus. En fait, la douleur et les souffrances que nous avons, elles sont inscrites dans le disque dur qu'est la peau. Donc une fois qu'on fait cet exercice, c'est comme si on faisait un gommage et qu'on sortait de la peau, de notre corps, les mémoires du passé. Et c'est, ça peut être traumatique. Il y a des gens qui s'arrêtent parce que c'est trop fort. Donc il faut le faire à son rythme. Si ça ne va pas, il faut s'arrêter. Mais il faut continuer à le faire. Il faut continuer à le faire. C'est une méthode de purification extrêmement puissante. Et plus on le fera,
plus on se sentira ancré et plus on se sentira au centre de nous-mêmes, en fait. L'idée, c'est de se retrouver nous. C'est pas de devenir plus fort. C'est pas de devenir... Alors, les gens me disent « Oui, je deviens plus fragile. » Je dis « Mais la fragilité, c'est le pouvoir de faire des choses. » Parce que quand on est fragile, on crée de l'espace en soi. Quand on est fragile, c'est comme si on vide une bouteille. Ça veut dire qu'on a de l'air, on a du vide. Oui, je me sens vide. Mais oui, on se sent vide. Bien évidemment, puisqu'on se vide de quelque chose. Et donc, le fait de se vider, on peut remplir de nouveau quelque chose. Mais c'est sûr que si on rencontre quelqu'un de toxique derrière et qu'on va refaire un boulot qu'on n'aime pas, on re-remplit le travail qu'on vient de faire énergétiquement. Donc, non, il faut faire des choix. Si on fait ça et que derrière vous allez bosser et que ça va être le stress ou que vous allez retrouver quelqu'un qui est toxique, c'est comme un aspirine, quoi. Vous avez enlevé le mal de tête pendant quelques instants, mais en fait ça va, vous allez de nouveau retomber dans le piège de la relation toxique, que ce soit professionnelle, amoureux, amical ou autre, ou avec les enfants, avec le conjoint, la conjointe, bref. Donc ça se fait quand vous savez que derrière vous pouvez aller dormir, que vous pouvez vous promener. Il faut au moins 2-3 heures, en fait. Il faut se promener dans la nature, être dans un endroit calme, dans une chambre, lire, etc. Il faut vraiment faire une activité qui puisse nous ressourcer. Donc, moi, ce que je conseille, c'est qu'après des exercices comme ça, il faut prendre un livre qu'on aime, aller voir un film qui nous booste, pas un film qui va nous faire pleurer, comme la Madeleine. Okay, il faut faire des activités qui nous rassurent, qui nous donnent de l'estime de nous-mêmes. Sinon, à quoi ça sert de faire des exercices énergétiques si derrière on se retrouve dans un environnement complètement anxiogène, complètement stressant? Donc ça c'est hors de question. Donc on peut faire que des exercices comme ça, que stratégiquement, c'est-à-dire qu'on choisit le moment de le faire. Alors il se peut qu'en faisant ça, on dorme moins aussi, qu'on puisse pas dormir. Et ben ça c'est normal, mais c'est pas grave. Ça veut dire que vous avez gagné des heures de sommeil. Moi quand j'ai commencé à faire ça, je dormais plus que 4 heures par nuit et j'étais en forme. Au début, je m'affolais, ma tête me disait « c'est pas normal, tu dors que 4 heures au lieu de 8 heures » parce que moi, je suis un gros dormeur. Mais finalement, j'avais autant d'énergie. Alors moi, je donne ça, un conseil tu peux donner le conseil. On donne ce conseil aux parents qui ont un enfant et l'enfant se réveille la nuit toutes les 2 heures. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, quand vous avez un nouvel enfant, un jeune enfant, un nourrisson, eh bien, faites votre qigong. Faites votre qigong pendant qu'il est réveillé. Donc, ça permet de régénérer et de compenser le sommeil que vous avez perdu. C'est génial, ça. J'ai eu des pères qui ont fait ça. Eh ben, toute la grossesse s'est très bien passée. Pendant 2 ans, ils ont fait ça. Eh ben, ils ont gagné énormément d'énergie vitale et ils n'en ont pas perdu. La mère aussi, si elle peut faire ça, c'est idéal. Et l'enfant le ressent. Donc, les femmes enceintes qui font ça, et même le père qui fait à côté de la maman qui est enceinte, eh ben, ils ressentent cette énergie. Et l'enfant, en fait, j'ai vu des enfants naître, qui aimaient faire ça, quoi. Donc, ils aimaient faire les sons parce que les sons qu'on a fait résonnent à l'intérieur du corps, fait vibrer la peau et élimine ce qu'on appelle les miasmes, les problèmes transgénérationnels et autres. Donc voilà, le travail énergétique de ce Qigong médical, c'est vraiment d'expulser du corps l'information inscrite dans la peau, parce que la peau, encore une fois, c'est le disque dur, afin de pouvoir se purifier et se purger. Normalement, en faisant ça régulièrement, entre 3 et 6 mois, il y a de gros changements qui se passent. Mais des changements, ben, il faut les accepter aussi. Parce que soit on va voir un psy à côté pour dire qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Oui, il faut le faire, parce que ça explique le pourquoi. Parce que la tête, elle a besoin d'explications. Elle a besoin de comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on pleure? Pourquoi est-ce qu'on est fatigué? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus envie de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on est en colère? Pourquoi est-ce qu'on est frustré? Pourquoi il y a tout ça? Mais parce qu'il y a des souvenirs qui remontent par ces exercices. Hein, et c'est comme si on regardait un ancien album photo ou que tu remettais une ancienne série télé où il y avait des mauvais souvenirs. Et là, forcément, on pète les plombs. Donc, il faut être accompagné derrière. On ne peut pas faire ces exercices si on n'est pas accompagné derrière, parce que ça peut être très traumatisant de faire ressortir. Et donc, c'est très bien d'avoir quelqu'un, un thérapeute derrière qui nous suit. Que ce soit l'acupuncture, la psychothérapie, la gestalt, un psychologue, un hypnothérapeute, etc. C'est très bien, il faut continuer à le faire systématiquement. Okay, donc, ce travail, le travail de Qigong, là qu'on fait, Qigong Liaofa,
de chi, tout simplement, parce que moi j'appelle ça aussi le chi, tout simplement, pour résumer, c'est le chi, hein, permet de faire le solde de tout compte de beaucoup de problèmes que nous avons eus par le passé, qui nous ont été transmis transgénérationnellement par nos parents. Donc on n'était pas là, donc, mais on a quand même les problèmes des parents, du papa et de la maman, et puis en plus on a nos problèmes. Donc si on fait ces exercices, eh bien c'est comme si on vidait notre bouteille régulièrement et qu'on la lave et qu'on la vide. Voilà. D'accord ? Donc il faut, ça prend le temps, mais il faut être confiant parce que le résultat se fait toujours sentir. Et quels sont les symptômes qui indiquent qu'on évolue ? C'est qu'on a plus d'énergie. Au début, on n'en a pas. On a plus d'énergie. À un moment donné, c'est un plateau. On a plus la conscience, des prises de conscience des choses qui sont bonnes pour nous et pas bonnes. Donc ça veut dire il y a des relations, on se dit ben voilà, c'est plus clair pour moi dans cette relation, ça me convient, ça me convient pas. On est beaucoup plus alerte de ce qui se passe, comme certains le disent, de la souffrance des autres, hein, de la souffrance des autres. Et ça c'est bien, c'est de l'empathie et de la compassion qui se développe à travers ces exercices-là. Donc il y a qu'est-ce qu'on y gagne? Au niveau du foie, l'élément bois, on y gagne de la compassion, de l'empathie. Au niveau du cœur, on gagne la paix intérieure. Au niveau de la rate estomac, la terre, on gagne beaucoup plus d'estime de nous-mêmes. Ça, c'est les émotions, hein, il faut bien les retenir. Au niveau des poumons, le métal, on gagne une forme d'intégrité, parce qu'on a une régularité, puis on fait notre travail énergétique. Et au niveau des reins, de l'eau, on gagne beaucoup en sagesse. Parce que c'est une hygiène de vie, finalement. C'est une hygiène énergétique, c'est une hygiène de vie qui s'intègre au même titre que se laver la peau, se brosser les dents, se peigner les cheveux. Eh ben, c'est un travail d'hygiène énergétique qu'on doit s'imposer quelque part. Mais il n'y a pas que le qigong, il y a le tai chi, il y a la méditation, il y a plein de choses, hein, aussi qui se fait. Donc ça fait partie du qigong, mais aussi du neigong. Neigong en chinois, ça veut dire travail interne, travail alchimique interne. Et il y a aussi le travail de l'esprit, Shen Gong, hein, le travail de l'esprit, le travail plus spirituel, le travail alchimique de l'âme. Donc on a toutes les dimensions, la dimension de l'âme, la dimension énergétique, psycho-émotionnelle et la dimension physique, kinesthésique. Tu vois? Donc tout ça, ça forme un tout complètement cohérent dans lequel tout s'intègre et s'emboîte. Ce qui veut dire que tout à l'heure, on a travaillé avec l'intention et sans intention. L'intention dirige l'énergie là où elle doit aller. Et la matérialisation dans ta vie de phénomènes, de hasard, de coïncidence, elle vient parce que tu orientes ton intention sur un mouvement, intention, mouvement, émotion. Ça crée une réalité quantique, on dira. Okay? Donc tout le secret, c'est dans la coordination simultanée et instantanée du moment. Il faut être très présent dans le moment pour réaliser les choses. Donc le soin à distance, les miracles soi-disant, la matérialisation de ce que tu souhaites, elle vient dans cette coordination, cette synchronicité entre j'ai l'intention, j'ai une image dans laquelle j'injecte une émotion très forte, elle a intérêt d'être bonne, parce que si tu dis je suis triste ou je suis en colère, la matérialisation de l'objet ou de l'événement que tu souhaites, plus la colère, ça détruit tout, c'est-à-dire que ça ne va pas durer longtemps, hein, le truc. Et donc, la visualisation à partir de l'intention, plus l'ajout du sentiment, de l'émotion, de la bonne émotion dans ton cœur et dans ton corps, projeté par tout ton corps et ton être, grâce au 1 à 10 qu'on a fait, eh ben, c'est un émetteur extrêmement puissant qui va dégager autour de soi une onde lumineuse, une onde sonore qui va littéralement influencer l'environnement. C'est-à-dire, ça influence tous les objets autour, ça influence tous les êtres que nous avons dans la famille autour. Et c'est, les gens changent parce que nous changeons. Et c'est pas vrai de dire, j'attends qu'ils changent. C'est nous qui changeons. C'est nous qui devons changer et les autres changent. Et d'ailleurs, les animaux viennent vers nous, quelqu'un va nous dire, ben, t'as changé. Je dis oui. C'est moi qui ai changé. C'est pas l'autre qui a changé. C'est moi qui a changé. Du coup, l'autre va changer. Donc la seule solution, c'est ça provient de nous. On doit vibrer très fortement pour pouvoir dégager l'énergie pour changer la réalité. Et chacun d'entre nous, nous avons notre responsabilité de faire ça finalement. On a la responsabilité de changer notre vie pour changer la vie des autres. On ne peut pas changer la vie des autres parce qu'on écoute leur avis.
on écoute leur avis pour changer nous. Non, il faut d'abord changer nous pour pouvoir changer les autres. Donc, le rituel que vous devez avoir, c'est un rituel de pratique, une habitude qui s'impose petit à petit, comme se brosser les dents. Si je vous demande, vous n'êtes pas brossé les dents ce matin? Ok, encore une fois, ça va, mais pas vous allez vous brosser une fois par semaine ou vous doucher une fois par semaine. Ok, une fois tous les deux jours, trois jours, si vous ne faites pas de choses qui vous salissent. Ok, mais vous allez vous brosser les dents au moins tous les jours. Sinon, je me poserai des questions. Eh bien, c'est pareil, lorsqu'on commence à faire ça, vous vous engagez à être propre sur vous. Et être propre, c'est ça, c'est faire les choses correctement. Voilà, un petit salut. Merci à tous et à la prochaine pour une prochaine séance. Allez, je vais essayer de éteindre ça, je ne sais pas comment on le fait. Mettez-moi vos commentaires si ça vous a plu. Et puis, hop. Donc, je ne sais pas. La première fois, j'utilise ce live et je ne sais pas comment... le faire. Bon, ben c'est pas grave, hein, ils vont nous accompagner comme ça. Bon, commentaire, sachez que je vais faire ces pratiques le 2 septembre et puis d'ici là aussi, il y aura des ateliers, des cours en direct. Donc si ça vous plaît, ben, likez, partagez s'il vous plaît. Hein, et puis mettez-moi vos commentaires et je vous répondrai personnellement. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.